Pour élaborer un plan d'action, la réglementation impose des outils tels que le document unique d'évaluation des risques. L'évaluation des risques passe par plusieurs étapes. D'abord, identifier les risques afin de les analyser. L'identification des risques dans l'entreprise doit s'opérer sur le travail réel, c'est-à-dire les situations vécues par les salariés. Exemple, la répétitivité des gestes, la charge de travail, les efforts excessifs, les postures maintenues sur de longue durée. Parfois encore sous-estimée, la posture assise n'est pas une position de repos. Pour se tenir assis, les muscles se contractent. Si la posture est néfaste et prolongée, la fatigue arrive et une inflammation peut apparaître au dos. J'ai une douleur, j'ai envie de la position, elle n'a pas la position. Elle n'est pas complète. Déjà, ta chaise, tu ne sens pas qu'elle est trop haute. Ça baisse ton siège.